Salut, YouTube. La sorcière. Alors, j'avais fait une partie avec la sorcière. C'est anxiogène. L'heure est venue découvrir notre dernier concurrent, qui est une concurrente. Une vlogueuse amateur qui va nous ensorceler. La voilà, la star des roseaux sorciers. Fin, prête à pénétrer dans les donjons. Mesdames et mesdames, la sorcière! C'est quoi cette voix? Oh la vache, je suis vraiment un dé. Faites ça avec un nouveau filtre de chat. Oh, c'est l'idéal en personne, on n'aurait pas le croire. Saut 2012, hein. Vous êtes là pour de vrai. Hein. Ah, un petit selfie devant la tour Eiffel. Nous aurions le temps pour ça plus tard, ma petite flagorneuse. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous êtes dans... Qu'est-ce qui t'a attiré dans mes dans mon royaume des mystères? J'arrive pas à lire. Hein. Franchement, je suis trop contente d'être là. Alors j'aime pas qu'on tue les animaux et... Ah non, mais désolé. Ce jeu, il me... Je suis hyper excité à l'idée de découvrir ce que le destin me réserve. Tu sais, si tu ne demandes pas quelque chose de précis, tu n'obtiendras aucune récompense en cas de victoire. Hein, hein, je veux 10 millions de followers en plus. Clic! Clic, salope! Des vrais, hein, pas des bots. Hein. Voilà qui est mieux. Allez, c'est parti. Hein. Bon, allez, c'est parti. Hein. Arrête les conneries. Hein, ça. Allez, des claques là. Alors, celui-là, c'est très particulier. C'est à jouer la sorcière. On a un deck. On a un grimoire en fait. Et là, on a 4 emplacements de sorts en fait. Au début, on commence toujours avec un sort. Et on peut mettre, là par exemple, j'ai pour l'instant j'ai que 2 emplacements, le 1 et le 2, je peux mettre le 1 ici pour créer un emplacement en fait, pour créer un sort en emplacement. Et là par exemple, bah, je peux utiliser ça. Je peux utiliser ça. Et après il y a la compétence lancer un dé, on jette un dé, mais par contre on fait un dégât en contrepartie. Voilà. C'est nul, hein. Ça a l'air bien comme ça sur le papier, mais c'est nul. Hein. On va se prendre la max. Aïe! Alors, la boule de cristal, ça fait quoi? Je me souviens plus. Lance 3D en plus, oui, c'est ça. Alors, ça peut être fort. Hein. Alors là, et en fait, quand on récupère un équipement. Il faut lui attribuer un numéro en fait. Donc, bah pour l'instant, le 3. Hein. Allez, vas-y, apprendre sort. J'aime pas du tout. J'aime pas la magie dans les jeux de rôle, les machins et tout comme ça. Et là, je pense que ça se répercute bien sur mon gameplay qui est très mauvais. Ah, on peut remettre un... Ouais, un truc, là. Alors, tant qu'on a des dés, on peut jouer à l'infini. C'est ça qui est bien avec la sorcière. Ça peut infiniser. Hein. Voilà, il se met juste en waf, waf, waf. Alors, il faut... Qu'est-ce qu'il disait sa mère, en fait On l'a vu tout à l'heure, sa mère qui disait « Prends pas froid » ou je sais pas quoi. Eh, dites, vous pouvez passer la bonjour à ma mère, à ma maman? Elle est plus grosse que moi, mais carrément plus grosse avec des dents hyper pointues. Ouais, j'ai vu tout à l'heure. Enfin, c'était pas moi, c'était l'autre. Et là, on récupère stalactite. Alors, le deck gel est très fort avec la sorcière, je trouve. Ça peut être très très fort. Ouh, les valeurs du dé moins 1. Bon, ça, pour l'instant, on prend. En plus, elle a pas beaucoup d'équipement, la sorcière. C'est vraiment à ce niveau-là, c'est. C'est. Allez, le rumisson. Ouais, le rumisson. Allez, vas-y, le rumisson. Achou. Allez, balancer du gel, c'est très fort. Voilà.
Un chais. Hey hey, ice time. Achum. Ben voilà, c'est facile ce jeu, c'est facile à chanter. En fait, tant qu'on a la glace, c'est fort. Quand, après, il y a certains ennemis, la glace, ça leur fait pas grand-chose, hein, mais. En général, les premiers tours, c'est des tours de préparation. Hop. De dégâts avec sa dieudonné. Hop. On va lancer 3 dés de plus. Allez, gel 2. Excellent, voilà. T'es en PLS, mec. Ah. Voilà, deux gels, c'est fort. Ouais, on se retrouve à 1, là. Fuck them all, quoi. Garder un chaudron, c'est une bonne strat, parce que quand même, ça permet de relancer un dé quand même. C'est un petit dégât nul, mais ça permet de relancer surtout un dé. Alors on a le choix entre des cases améliorées et des cases préparées. Les cases améliorées, en fait, c'est quand on mettra des sorts sur cette case, le sort sera amélioré. Soit des cases préparées, c'est-à-dire qu'on a, en plus du premier sort de base, on aura une autre case qui sera... Dès le début, il y aura un sort dessus. Le mieux, c'est d'avoir les cases améliorées, je trouve, quand même. Ça reste quand même beaucoup plus fort. Hein. Après, je dis ça, je dis tout, quoi. Ah, dommage. J'ai voulu faire le pari, mais bon. Voilà, alors là, il va pouvoir... Tant qu'il a pas de paire, quand tant que tu lui balances des 1 dans la gueule... C'était un 5. Voilà, tant que je lui mets 2 gels dans la gueule, je sais qu'il peut que m'aveugler. Et il peut pas me faire de dégâts. Donc toi, c'est... là, c'est quand même... Je peux infimiser l'ennemi, quoi. Voilà, donc là... Là il est mort le mec. Il peut faire que subir. Le bébé poulpe là, on est en train de le... Voilà. C'est un bébé donc je peux rien dire de sexuel mais... Là il faut se rendre à l'évidence. Hein. Alors ça c'est très fort le hall des miroirs. Donc on met un 6 dessus, on gagne plus un dé pour le combat contre les boss. Les longs combats contre les boss ça peut être sympa. Ah, missile magique, hein, machin, ouais, 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 c'est bien. C'est bien, c'est bien. Enchanteur niveau 2, on va le plier en 4. Ah bah lui aussi, il aura le hall des mouards, tiens. Excellent.
Oh merde, il va me balancer 10 de dégâts. Oh le saligo. Ah c'est un peu plus. C'est un peu moins. Ça fait mal. J'ai dû le faire avant d'ailleurs. Alors on lui a mis la max, il pourra faire que des 1 là. Il va nous mettre 5 de dégâts quand même. Et ça, ça fait mal. Il nous balance 2 gels en plus. C'est pas ouf, j'irai. Il nous fera un sort de soin, ça serait bien. Super magnifique. Non. C'est un vieux, excusez-moi. Super magnifique. J'espère encore avoir encore l'occasion de vous affronter de nombreuses fois. Nous allons passer. Nous allons. Après tout, nous allons passer l'éternité ensemble. Je suis tellement vieux, Luc. Allez, casse-toi, vieux con. Casse-toi, pauvre con, comme disait. Obtiens 2 machins au prochain tour. Le bouclier magique, on s'en sert pas vraiment. Le roulé, on s'en sert. Le bouclier magique, on s'en sert pas. On devrait, en fait. On a un combo où le bouclier magique, il sert à rien. Il sert à quelque chose. L'infliction, peut-être. On va le retirer. On va se soigner, parce que là, c'est quand même anxiogène. Ah oui, l'autre, c'est du poison. On balance ce machin. Ah, c'est ça. Bon, il me balancera du poison. On lancera un de poison par tour si on lui balance le truc, et puis après, ça va être très fort. Voilà. Paf, paf. Bon là, il nous met 3 de poison quand même, ça fait mal. Mais ça, le fléau, il l'aura jamais chargé. C'est ça, là c'est la bonne nouvelle. C'est le moment de la bonne nouvelle du jour. Allez, vas-y. Dans un grand élan de mansuétude. Paf, 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 et voilà. Il a 4D là, saligo hein. Pour être poli. On se marre, on gagne notre niveau, on regagne nos PV. Ils sont augmentés. Des doubleurs et duplicateurs. On va choisir le duplicateur et on va le retirer suite illumination quoi, parce que ça sert à rien, c'est de la merde. Ça, lance D, ouais, on va ignorer hein, s'il te plaît, hein, c'est sympa. Et non sorceleuse, le combat des magiciennes. Regardez, elle est sur les réseaux sociaux, normal hein. Ah, il faut créer des cases. Hein. Lancer les dés, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment si on n'a pas le choix. Putain, elle me balance des saloperies aussi. Ça va se payer, ça. Ça va se payer, ma petite poulette. Tiens, regarde, bam. Et ça, on va le dupliquer. Alors, on va balancer ça. Into, on le rappelle. Prends ça, into, prends ça. Et attendez, regardez, bougez pas. Oh là 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 là, c'est magnifique. Il lance un. Et voilà, 3 de gel. Dans ses dents. Eh, que des 1 là. Allez. Ah, ça... ah oui, c'est vrai qu'elle peut relancer un dé. Ah, elle est forte. Elle combat le feu par le feu.
Ah, c'est minimum. On va être mal là. On va être mal. Bon, ça va, elle fait trop de dégâts. Là, j'aurais même fait infliction, moi, toi. Et pan! Bon, là, c'est pas terrible par contre, hein. On a de quoi se soigner ici. Ah, on a un shop. Peut-être qu'ils vendent une pomme. Ah ah! Manger des pommes! Ça, c'est quoi? Inflige 2 de poison. On n'est pas sur un deck poison là. Attends, on est sur quoi? On est sur un deck gel, on n'est pas sur un deck poison. Et l'autre, c'est quoi? Pas sous les dés, un machin. Ah, d'accord, ouais, non, c'est pas ouf. Bon. Le soin, c'était bien. Ah bah, il y avait du soin ici, mais bon, on sait jamais. Flamèche. Alors, lui, il craint le poil. Le... Il craint la glace, donc ça va être easy. Easy peasy, lemon squeezy. Voilà, pour ce tour-ci, hein. T'es tranquille, mec. Oula, 10 de dégâts, direct. Cherche même pas, quoi. Oh, regarde. Mais tu te fous de ma gueule, le jeu? Pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Excellent. Excellent, mais ouais, encore deux combats à gagner pour avoir le... On va se mettre full. Dague magique. Bon, ça c'est nul. C'est nul. Voilà, le laisser... Oh là 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 là, c'est terrible ça, ce qui s'est passé. Bon. Merde, j'ai dû duplier... Ah non, c'était un 6. Allez, 4-1. Il va me balancer 4 de gel, hein. Ça c'est... voilà. Ah, j'aurais dû balancer un 3 en fait. J'aurais dû balancer un... une armure. Je savais qu'il me balançait... Bon, ce petit combat, il va pas pouvoir gagner en fait. Je vais faire des PV un peu bêtement. Ah merde! Il y a quand même le 3 là. Ouais, pas ouf. Voilà, on serre un peu les fesses. Hein. J'ai peur que face à un...
Inflige un de choc, brûle un dé. Ça peut être fort. Hein. Si tu mets deux trucs, tu fais les dégâts des deux machins. Et j'aurais assez pour l'acheter. Après. En tuant le fou, j'aurais assez pour l'acheter. Oh, un petit dé! Zelani, c'est vraiment l'heure de mourir là! Oh bâtard! Oh bâtard! Mais non! Mais non! Non mais là il a 4 d'épines, ça sert à rien de le taper. Réduit l'ennemi au silence, bah c'est génial! Ah non mais c'est génial ce jeu. Bon. Ok. Bon, je me donne plus de dés, je me peux. Voilà. Ouais, il a tout. Il a tout. Oh là là, c'est dégueulasse. Pas ouf. Yes. Alors là, this is time. Bon, il va se rajouter deux épines. On peut l'attaquer hein, parce qu'on sait qu'on va gagner le. Tiens, on lance un dé. Paf. Vous me rappelez moi à l'époque où j'étais aussi un concurrent. Vous faites pas d'idée, moi aussi j'ai cru que tout allait bien se passer, au début. Ouais mais t'inquiète, t'as bientôt être dans notre crew toi aussi. Alors on choisit soit un dé supplémentaire, soit machin, on va prendre le dé supplémentaire, c'est toujours bien. Surtout avec elle, c'est vu que ça infinise. J'ai envie de prendre ça. Qu'est-ce qui ne sert pas vraiment? Le bouclier, je m'en sers jamais en fait. Le roulé, ça peut servir pour avoir des stalactites au début. Duplication, ça peut être sympa, mais... bouclier, vas-y. Excusez-moi. Tire au toto. Le Kraken. On va invoquer le Kraken. Je me prends la max. Ah, ça prendra. Ah, juste aveuglé, ça c'est propre ça. Bah, je sais pas c'est quoi, mais regarde, hop! Yes! Haha!
Oula! Oh les saligots! Oh là, tous les 6! C'est honteux! Parfait! Bon, c'est, ça reste quand même assez affaibli, enfin assez faible. Hein. Le lourd à blé, je peux me le faire facilement, je pense. Ah, j'aurais peut-être dû voir le shop. Mais bon, j'ai qu'une seule pièce. De DPS, c'est bon. Il y a du bon. Tiens, prends ça dans tes dents là. D'accord, lumière ardente, appréciation. Et machin. On va essayer de se faire la gargouille, ça va être anxiogène parce que lui il utilise beaucoup les 1 et moi nous on gèle donc on va avoir des 1. On va lui donner des 1. Mais d'une certaine manière ça va l'empêcher de. Ça va lui empêcher de. Voilà, de faire ça. Parce que là ça va enfiniser là en fait. Bon ça va, c'est un 2. C'est 2-2, on est chanceux. Voilà. Ok, parfait. Ouais, elle va me balancer un déverrouillé, mais bon, on a la 7, hein. Honnêtement, elle peut essayer d'en verrouiller autant qu'elle veut, mais... Vache. Pas de lancer. Même les déverrouillés, on peut pas lancer. On peut lancer les débrûlés. Dans quel cas, ça fait 2 de dégâts au lieu de 1. Mais ça fait 2 de dégâts à l'ennemi. Nous, ça nous fait pas de dégâts. Il y a du gros DPS avec ce build là. Assez d'esprit. Hello, bon courage avec la sorcière, je galère mort. Oui, j'ai. Alors, la première fois que j'ai joué avec la sorcière, parce que j'ai joué un petit peu en hors stream. D'ailleurs, bienvenue à CDS. J'ai réussi au 13ème try. Et en fait, je sais pas si tu veux le petit tip, il faut prendre le sort stalactite pour geler les dés d'ennemis. Et là, ça devient très fort en fait. Là, la sorcière elle prend tout son sens. Voilà. En tout cas, bienvenue sur ce stream. J'espère que tu vas apprécier. On essaye d'être un petit peu original. Mais de rien, d'ailleurs. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Je le mets, toi, le statique foudre aussi pour avoir un autre effet. Le holding miroir à 6 où je le mets ici et j'essaie de maximiser les dés si je peux. Après, si je peux pas, j'essaie pas de. J'insiste pas. Hop, ça ici. Et ça ici. Contre lui, c'est parfait en plus. Là, il va me falloir un hold des miroirs. On va se faire un hold des miroirs ici. Ici, on va le lancer. Plus 2D, c'est fort. Ah, il peut me maudire. Ah, ça, j'aime pas ça.
Pas mal. Bon, là, ça commence à être fort. Hein. Au fur et à mesure, on sera de plus en plus fort. C'est ça l'avantage de la sorcière, c'est qu'elle, avec Holy Mirror, elle devient de plus en plus fort. Non, l'exaspération, on va la garder pour... une autre foudre, ce serait un idiot. C'est un peu nul de lancer les dés comme ça, mais... c'est ce qu'on va faire. On décide de le faire. Ah, sur un ennemi comme ça... c'est de bonheur, quoi. Excellent. Voilà. Et là, il faut prendre une deuxième case améliorée. Alors, deux cases améliorées contre le boss. Il va prendre le tarif, j'espère. Contre Skatash. Ah non ! Ah non, bah justement, là, ça pète tout mon build. Je crois qu'elle est immunisée contre verrouille, le gel et le verrouille. Verrou et gel, ah là là. Les murmures indécénables de l'éternelle nuit souterraine m'ont apporté la nouvelle de votre venue. Je me suis préparé pour remporter la victoire. Ouais, bah ouais, c'est moi qui me suis pas préparé. Vous l'avez prévenu. Non, non, mais... J'entends bien. J'entends le loup, le renard, la belette. Alors... Tu fous de la gueule du monde, là. Alors... Hop. Tout ça. Tout ça. Voilà. Elle a qu'un seul dé. Ah oui, elle a qu'un seul dé, c'est vrai. Mais alors lui balancer 4 de choc, c'est vraiment très fort. Là, on va essayer de maximiser les... Là, on prend au début, on va prendre la max. Et là... Là, je peux vous garantir que ça va faire mal. Non, non, c'est bon, ça va le faire. Avec choc, voilà, tu vois, avec un dé, je lui balance 5 de choc, elle a une chance sur 6 d'avoir le bon dé, mais sinon... Là, on va l'infiniser. Hop là. Avec 5 de choc, honnêtement. Ouais, elle a le 6, à moins que... Quoi ? Ah bah non, bah alors là... Non mais là, c'est honteux, ça, ce qui se passe à la télé, là. Qu'est-ce qui se passe sur cet écran, là ? De choc, elle me balance. Bon, on s'énerve pas. On lui balance quand même 4 de choc. Merci la RNG. Ah bah ouais, carrément. Regarde-moi ça! Le 5 qui tombe. C'est honteux. Bon, c'est pas grave. C'est un peu moins grave que le 6. Alors, ça, on va le mettre là. Alors, on va prendre ça, ça et ça. Ça, on va le relancer. De toute façon, je crois que... Bah, tout le monde est morte. Et voilà. Easy. Easy peasy, lemon squeezy. Quel combat, vous êtes merveilleuse. Je suis resté concentré de bout en bout. J'ai oublié que j'étais à l'image... J'étais dans mes sorts et de m'aider, quelle merveilleuse expérience. Ça, c'est comme la dernière fois où j'ai sauvé les bébés phoques. Hein. Ça, c'était génial. Alors, à votre avis, vous avez remporté un prix? Oh, c'est pas plus important. Le plus important, c'est la selfie que j'ai fait au niveau 4. Il est temps de faire tourner la roue. La roue. Merci, assez d'esprit. Si elle s'est un prix, vous obtiendrez ce dont vous rêvez le plus au monde. Plus de followers sur le réseau sorcier. Exactement, la roue. Oh non! Oh non, j'ai plus de batterie. Oh, y'a pas de bol, ça sera pas pour cette fois. Vous faites pas, vous allez pouvoir participer à un autre épisode et vous aurez une nouvelle chance de gagner. Et voilà! Alors, les défis, machin, collection, machin, oui. Alors, nous avons débloqué la grenouille. À partir du moment où on commence à débloquer
les trucs. Donc plat préféré, alors les âmes de mes ennemis travaillent, vainquent tous ceux qui défient les dialères, aiment les victoires, n'aiment pas les victoires trop longues à obtenir. Elles sont en train d'un jeu pour rejoindre les dialères et pour me frotter à tous les ennemis. Et... on a débloqué. Hobby, lancer cailloux, puis avoir de cailloux, enfin, pire crainte, puis avoir rien, raison d'être un donjon, avoir plein de cailloux. D'accord, merci à la voiture. Wouh! Et des bisous YouTube! Salut!